j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo moment de partage. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas ce genre de vidéo, une vidéo qui va regrouper plusieurs catégories. Donc moi, je vais regrouper donc trois catégories: YouTube, wishlist et playlist. Je sais qu'on vous le rabâche pas mal, mais n'oubliez pas d'activer la cloche juste en bas pour être au courant de mes vidéos. Là, ça serait ballot d'être abonné à quelqu'un et de ne pas voir ses vidéos. Donc pour commencer dans la catégorie YouTube, Joyce du site everpretty.com, vous écrirez le site juste sur l'écran puisque mon accent n'est pas fameux. Joyce m'a contactée et m'a proposé de tester 3 robes du site. Au début, j'étais un petit peu sceptique puisque les partenariats sur YouTube, c'est entre guillemets tabou. Mais après tout, je n'avais jamais entendu parler de ce site et je me suis dit donc bah pourquoi pas vous faire découvrir un nouveau site. Donc je vais essayer d'aller relativement vite puisque j'ai pas envie que ça vous saoule de trop. Cette petite robe, donc c'est une robe violette assez courte. Donc cette robe-ci, c'est la robe que j'aime le moins des trois, malgré que je la trouve quand même très jolie. Mais ce qui est bien avec cette robe, c'est que je trouve qu'elle est adaptée pour tout âge. Par contre, faut faire attention au décolleté qui est un tout petit peu plongeant. Il semble qu'elle coûte 36 €, quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est un tout petit peu cher, je trouve, mais la qualité de la robe est bonne. Et de loin ma préférée. Donc c'est une robe blanche avec des points noirs et mon dieu, cette robe je la trouve juste mais magnifique. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'elle est adaptée à mon âge déjà, aussi qu'elle rajoute un petit côté femme. Elle coûte 60 €, donc ça je suis d'accord avec vous, c'est hyper cher. La qualité de la robe est vraiment là et j'aurai un code promo à la fin pour vous. Qui fait un peu plus cocktail, voilà, une petite soirée un peu plus habillée. J'ai pris une longue robe beige un peu. Franchement, elle est juste magnifique. Je pourrais pas la porter vraiment puisque je trouve qu'elle fait assez femme. Je vais l'offrir à ma mère pour son anniversaire, je pense que ce serait un beau cadeau. Le prix est relativement cher, donc elle coûte quand même 70 €, donc je suis d'accord, c'est très cher. Du coup, j'espère qu'elles vous ont plu. Au niveau de la livraison, donc ça a pris un petit peu moins de 2 semaines. La qualité des robes, donc franchement, il n'y a rien à dire. Elles sont hyper bien. Par contre, du coup, le seul bémol, c'est le prix déjà pour certaines robes qui est un petit peu élevé. Et du coup, j'ai un code promo de moins 30% à vous donner, donc c'est vraiment pas négligeable. Donc je vous l'écrirai juste sur l'écran. Au niveau des tailles, moi je fais plutôt du S. Je trouve que les tailles, taille vraiment petite. Donc vraiment, si vous faites par exemple un grand S, prenez plutôt du M. Donc voilà pour le site, je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos. Ensuite, du site Octoly. Si vous êtes youtubeuse et que vous avez plus de 1000 abonnés, je vous mets un lien en barre d'infos, voilà, si vous voulez aller checker. Donc vous avez le droit à 5 produits par mois. Et donc moi du coup, j'ai 4 produits à vous présenter. Donc premièrement, de la marque Aven, j'ai reçu cette lotion micellaire. Elle est franchement très bien. Après, je trouve qu'elle irrite un tout petit peu la peau, donc mettez peut-être une crème hydratante si jamais elle vous intéresse. Makeup, j'ai reçu un highlighter. Vous n'êtes pas sans savoir que j'aime vraiment beaucoup les highlighters. C'est un petit peu le cliché de la youtubeuse, hein. Donc du coup, il est comme ceci et franchement, la pigmentation est de ouf. Donc franchement, c'est un très bon highlighter que je vous conseille. C'est de la marque Sephora. J'ai pris cette ombre à paupières liquide. J'ai été vraiment choquée de la qualité du produit. C'est un 01, donc c'est un petit rose gold. J'ai fait mon maquillage des yeux aujourd'hui et j'étais choquée. C'est un truc de Octoly. Et après, je vais passer à la wishlist. J'étais très choquée, demandée, mais j'étais sûre à 100% de ne pas être acceptée. J'ai demandé de l'eau de la marque Kat Von D et j'étais sûre d'être recalée. Et à ma grande surprise, j'ai été acceptée et j'ai été juste hyper contente et hyper choquée. Donc déjà, la marque Kat Von D sort le 18 janvier sur l'e-shop de Sephora et aux Champs-Élysées. Et le 28 janvier, elle sera disponible dans tous les Sephora de France. Du coup, dans le lot que j'ai pris, il y avait la palette de contouring, le pinceau pour le teint, et un rouge à lèvres mat. Le pinceau, c'est juste une dinguerie. De toute façon, je vous mettrai des close-up sur l'écran. Déjà, vous le recevez dans cette boîte. Donc, comment vous dire que je me suis un peu sentie une princesse dans la recevant, voilà. Le bémol, c'est qu'il est très cher. Il est très bien, mais le prix, c'est un petit peu abusé. Il coûte 29 €, je crois. Donc, c'est vrai que c'est un tout petit peu cher.
Ensuite, j'ai reçu le rouge à lèvres Exorcisme. C'est un Bordeaux violine. Il est trop foncé. Je suis dégoûtée parce que du coup, je pourrais pas le mettre. Il est ultra mat. Il tient hyper bien. Je pense que le 28 janvier, je vais me précipiter pour acheter peut-être une autre couleur. Parce que franchement, la qualité, elle est juste à tomber par terre. Et enfin, la palette de contouring. Je ferai un close-up de vraiment la qualité du bronzer qui est à tomber par terre. J'ai jamais vu un bronzer aussi pigmenté de ma vie. C'est un truc de fou. Haut en bas, vous avez 3 bronzers. Et en haut, vous avez 3 sortes d'highlighter. Rien à dire sur la qualité. Donc vraiment, cette palette, je vous la conseille à 2000%. Vu la qualité du produit, il n'y a rien à redire. Catégorie YouTube, ma vie est totalement personnelle. Je vais pas vous mentir sur la qualité des produits, etc. Merci à toutes les marques. C'est juste hyper gentil, je m'attendais pas à ça. Donc vraiment, merci, merci beaucoup. Et maintenant, je vais passer du coup à la catégorie Wishlist. Vraiment 2-3 trucs qui me font l'œil. Première chose, donc ce sont 2 pulls de chez Rad. Le premier, c'est un pull Bordeaux où ici, vous avez un petit alien où il y a écrit « I come in peace ». C'est vrai qu'en ce moment, j'ai un petit problème avec les aliens. Mais vraiment je trouve ça trop beau. Il coûte pas très très cher puisqu'il en sort. Le deuxième pull de chez Rad, donc c'est un pull qui me fait un peu penser au pull Trasher. C'est pas vraiment un pull Trasher, voilà. Donc c'est un pull avec écrit Awesome, donc en effet flamme et tout. Et j'espère vraiment l'avoir parce que je le trouve vraiment trop magnifique. Et enfin dernière chose dans ma wishlist, donc c'est une paire de chaussures puisque j'adore les chaussures. Et ce sont les Air Max 95. Donc moi j'aimerais beaucoup les beiges. Par contre c'est vrai que le prix est légèrement abusé. 180€, c'est hyper cher. Mais j'aimerais tellement, tellement, tellement les avoir. Mais dites-moi si vous voulez une vidéo wishlist, puisque je sais que vous aimez beaucoup ça. Et en plus, le 16 avril, c'est mon anniversaire, donc je pourrais vous faire une petite wishlist anniversaire si ça vous intéresse. Moi, j'aimerais beaucoup vous la faire. Enfin, dernière catégorie, c'est la catégorie playlist. J'ai 2-3 musiques à vous faire écouter, vraiment 2-3 musiques que j'aime beaucoup en ce moment. Pareil, dites-moi si vous voulez une vidéo playlist, que ça fait longtemps que j'ai pas fait de playlist. Et c'est vrai que ça me manque, j'aime trop ça, cet esprit d'enjaillement, tout ça. Là j'en ai vraiment 2-3 que j'aime beaucoup, donc je vais vous les faire écouter tout de suite. Donc voilà pour ma playlist et donc de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bien évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait trop trop plaisir. Si, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo playlist, voilà, j'aimerais trop vous en faire une. J'aime trop manger sur des musiques, en fait c'est trop bien. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.